exact, mais il y a une liste impressionnante. Et son fils Pierre II, qui a guerroyé en Italie, hein, puisqu'il c'était un des héros de la bataille de Ravenne en 1512, et lui aussi là-bas, il a été émerveillé par les architectures de la Renaissance, et quand il est revenu, il a voulu que cette chapelle elle ait une ornementation superbe. Il y avait une petite fenêtre ici, mais qui n'était pas dormie.